Voici des grosses têtes de toutes les tailles, si je puis dire. La plus grosse des grosses têtes, celle de Léon Zitrone. La plus petite des grosses têtes, celle de Sim. La plus ronde des grosses têtes, celle de Gérard Jugnot. Et la plus frisée des grosses têtes, celle de Jacques Martin. C'est vrai que vous êtes tellement frisé qu'on a envie de mettre des petits croutons dedans. Arrêtez votre salade. Il y a déjà du lard. C'est parce qu'il vient d'être grand-père, alors c'est d'un frisé au petit lardon. Oh, oh. Question pour ceux qui ont voyagé, qui connaissent le Maghreb. Question de Monsieur Genza de Gien. Pourquoi les tombes arabes? Enfin, certaines tombes qu'on trouve en Tunisie sont-elles peintes de couleur verte? Est-ce que ça ne signale pas la tombe des ecclésiastiques, des ministres de la religion musulmane? Toutes les tombes sont peintes en verte. Ah non, certaines seulement. Ah, certaines seulement. Ah oui. Ce sont ceux qui ont bien mérité de la religion islamique. Oui, pourquoi? Parce que... C'est ceux qui ont été faire leur pèlerinage à la Mecque. Excellente réponse de Jacques Martin. Merci Léon Zitrone. Et comment appelle-t-on les croyants qui ont été à la Mecque? Il y a un mot qui précède leur nom et qui indique qu'ils ont fait le pèlerinage de la Mecque. Ça veut dire le saint. Oui, ça veut dire le saint. Mais quel est le sanctifié? Hadj. Exactement. A fait le pèlerinage à la Mecque. Exactement. On connaît très pas bonne réponse de Jacques Martin. Isabelle Hadjani, c'est le mec d'Annie. Le saint d'Annie. Ah, moi, je ferais bien le pèlerinage, là. Ah, oui, oh là là. Vous la connaissez pas? Si, je connais Jenny. Elle est ravissante, c'est Sim sans barbe. Ouais, c'est pas votre type, monsieur Zitrone? Non, ce n'est pas mon type, mais si elle se levait dans votre poche poitrine. Comment tu qu'elle se lève? Non, elle a fait de la varappe. Alors Isabelle Adjani, vraiment, vous qui faites dans un hebdomadaire les belles dames du temps présent. Ben oui. Isabelle Adjani, c'est une jolie dame du temps. J'ai fait Adjani pour cet hebdomadaire dans cette rubrique. Elle est partie, qu'est-ce qu'elle a fait Adjani? Elle est partie aux États-Unis 2 ans. Tout de suite après votre rendez-vous. Oui, oui. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Non, elle a encore joué à la Comédie française pendant un an. Mais quand elle est partie, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Au revoir, au plaisir? Non, elle a fait ouf. Je lui ai dit au revoir mademoiselle, elle m'a dit au revoir monsieur. Ah oui. Ça n'a rien de. Non, de c'est original surtout. Au revoir papy. Combien je dois, choses comme ça. Je la connais très bien, elle me l'a dit alors. Tiens, elle n'avait pas payé avant celle-là. Combien vous prenez pour un reportage? Ça dépend si vous l'aimez bien fait ou si vous l'aimez comme ça. Mais un reportage par exemple qui s'appellerait Jacques Martin, l'homme qui m'a le plus étonné, ça va chercher dans les combien? Ça dépend pour quel support, comme l'on dit. Non, mais je sais pas. Bon, je suis toujours et partout où l'on m'emploie payé au mois. Un mois de salaire, de la TVA comprise? Pour Martin? Pour Martin. 17,33%, ouais. Il connaît tout. Taxe de luxe? Non, c'est 33. Les 17,33, qu'est-ce que c'est? La température. Ah, pardon. De Monsieur Perrier de Paris. Vous savez que le principal rôle du faux bourdon consiste à féconder la reine. La reine des abeilles, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Mais à la reine des cloches. Je connais très peu de filles qui savent faire l'amour avec un faux bourdon. Bon, alors, donc le faux bourdon doit féconder la reine. Oui. Bon. À quelle heure? Parce que là, j'ai au pas troisième top. Pourquoi, lorsqu'il a fécondé la reine, meurt-il alors que l'accouplement n'est pas encore terminé? Moi, je veux dire pourquoi, parce que les abeilles le bouffent. Il a laissé une partie de son individu. Il a laissé son dard dans la reine. Oui. Il a laissé une partie de ses organes de reproduction. C'est que ça rentre et ça ne sort pas, quoi. C'est comme un pied. Dans la reine. Mmh. Et effectivement, lorsqu'il s'extrait péniblement, il est amputé mortellement. Oh là là. Non, mortellement, faut pas charger. Il y en a qui vivent sans. Mais si, puisqu'il meurt. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je connais des journalistes qui vivent très agréablement sans. Hein, Léon? Vous n'avez pas dû comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, vous avez dit j'ai tout rendu depuis le deuxième tour. Mais non. Je n'ai pas dit cela. C'est vous qui m'avez fait dire cela. Non, je ne m'en sers plus. Il a pas dit je fais. Je ne m'en sers plus. Oh non. Pour le moment. Enfin, moi, on vous a drôlement bien répondu sur l'abeille. Hein.
Passons à la question de Monsieur Isquin de Ris-Orangis. Ah. Il doit occuper votre chambre. Oui. Mon cher Jacques. Pourquoi en 1903, la France entière surnomma-t-elle Maurice Garin le cocu? Parce qu'il était... Il avait gagné le Tour de France, il fallait classer, non? Alors, c'est vrai qu'il avait gagné le premier Tour de France. Pourquoi l'appelait-on le cocu? Parce qu'il était marié? L'histoire ne le dit pas et ça n'a aucune importance. Parce qu'il avait beaucoup de chance. Parce qu'il était un maillot jaune. Parce qu'il porta le premier le maillot jaune. Excellente réponse de Léon Zitrone. Au risque, mon cher Léon, de me faire mal juger, encore une fois, dois-je vous rappeler qu'un vieux professionnel de la radio ne doit pas tapoter sur le pied du micro comme vous le faites, parce que nous entendons des... Vous voyez, on met ses mains dans les poches ou dans celles de Bouvard. Vous avez déjà suivi le Tour de France, mon cher Léon? Oui. En voiture? Je le fais en voiture suiveuse. Hein? Je le faisais. Mon dernier date de 70. En voiture suiveuse? 78 et 79. Alors, 78. C'était pas vous dans le camion? C'était pas moi dans le camion. Vous avez un camion, il y a le comité français de la banane, il me semble que je vous ai... C'est ça. Alors ça, c'est le truc qui m'a fait le plus rire. Sur le Tour de France, je l'ai fait, moi, le Tour de France, deux fois. Et il y avait une camionnette, c'était le comité français de la banane. Et au sommet de cette camionnette, il y avait une espèce... Non, une espèce de d'œuf en matière plastique. Et à l'intérieur, ligoté sur son siège, il n'y a pas de mot, il y avait Yvette Horner. Donc, imaginez... Oui, pour ne pas glisser dans les virages. Oui. Et alors, imaginez la montée du Saint-Bernard, un spectacle grandiose... La camionnette du comité français de la banane et une voix qui faisait « Allô, allô, dans quelques instants, Yvette Horner, du comité français de la banane, va vous jouer Perle de Cristal. » Il faut le faire, hein. Ah oui, c'est l'année où il y avait Ludmilla Tchérina dans la voiture balai. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et Madame Olivier de Saint-Pierre-sur-Dive, que devons-nous... Oh, c'est beau Saint-Pierre-sur-Dive. Ah, vous avez des souvenirs aussi là-bas? Non, non. Léon Zitrone, qui, vous le savez, donne de temps en temps des conférences pour les Rotary Club de France, a certainement dû aller faire la bonne conférence. Saint-Pierre-sur-Dive? Oui. Combien d'habitants? Non, non, c'est de là que partit Guillaume le Conquérant. Et il est sur quel chaîne maintenant? Guillaume le Conquérant? Comment vous savez ça? Mais à son âge, tu sauras tout ça aussi. Oui. Moi, depuis 25 ans, par exemple, j'ai 25 ans plus que vous. Bon, 30 ans de plus. Bah, c'est pas parce que vous non. Êtes. Vous avez... Bah, je lis, moi, je me cultive. Martin ne fait pas si jeune, hein, non. Non, non. Non, non. Léon Zitrone a fait la première émission de radio. Oui, en 1912. Quand il n'y avait pas d'antenne, on faisait les émissions au porte-voix. Oui, oui. Mais vous débutez au pied de la Tour Eiffel. Monsieur Martin. Quel âge avez-vous, monsieur Martin? Ça vous regarde? Non. Quel âge me donnez-vous, Léon? Si je vous le donne, vous ne le prendrez pas. À votre avis, quel âge je fais, chérie? 42 et des poussières. C'est vachement gentil. Il faudrait faire le ménage, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il est gentil, il a oublié les matinées. Que devons-nous... Et vous, Bouvard, ça vous fait quel âge maintenant, Pépé? Ben, je suis un peu plus vieux que vous. C'est Pépé. Alors, tu l'aurais vu dimanche. Vous êtes plus vieux que Martin. Tu ouais. L'aurais vu dimanche. Mieux conservé, mais plus vieux. Tu sais qu'il est Pépé, maintenant. Il a un... Oui. Il est quoi? Il est Pépé. Ah, tu m'as fait peur. Non. Il a eu un petit-fils. Non, mais c'est pas vrai que ma 30 ans. Oui. Vous êtes grand-père. C'est vrai. Oh. Mais il y a combien de temps? Il y a 10 jours. Et vous ressemblez? On parle à oui, taille. Oui, pour l'instant, il est pas grand. Voilà. Tu verras, le petit, il est petit. C'est vrai. Il le met debout à côté de lui, il se parle dans le nez. Mais ça, je savais pas. Oui, une tête de bébé. Mais moi, je suis très content pour Philippe Bouvard. Oui. Et je lève mon verre en l'honneur du petit-fils de Philippe. Comment s'appelle-t-il? Excusez-moi, je débarque. Hein. Adrien, avec un H. Ça s'est bien passé Ça va, c'est... Vous avez eu les premières contractions, à quelle heure? Vous avez bien retenu votre respiration? La pièce assisté de à l'accouchement, vous. Oh, bah, je vous dis. Ah oui, oui. Moi, j'étais à côté de la dame qui gifle la patiente pour lui faire oublier que ça fait mal ailleurs. On se contracte, on respire. Allez, qu'est-ce qu'on a appris à la leçon le mois dernier? Chose des accouchements modernes. Ça a changé. Alors le père qui est là, qu'est-ce que je fais, le chirurgien? Tirez-vous, vous voyez pas comment arrêter? Passe-moi le démon de pneu de 12. L'écarteur 27. Télescope, le plat de lentilles. Allez, vite, vite. Sur moi, ça passe. Attention. Ça passe, viens sur moi. Attention. À gauche. Redresse. Oh. Quelque chose. Et moi, j'ai eu un accouchement divin. Moi, j'ai eu un accouchement formidable. Oui, quand vous êtes venu au monde? Non, quand ma femme a accouché de mon fils. Ah bah toi, c'était formidable. C'était un accouchement sans couleur, puisque ta femme est blanche, je crois. C'était divin. Quand il a vu partir, sortir les 5 petits bras, il a dit, c'est mon fils. Ah. Il est joli, son fils, il l'habille dans un vieux gant. Facile en maillot. Tu me fais beaucoup de peine, mon petit Martin. Combien il mange de mouches, maintenant?
Eh bien, il en est à sa 10e. Hein. C'est pas gentil ce que vous dites, Martin, je trouve. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Bon, vous dites des méchancetés sur le fils de notre non, ami. Non, mais il se moque de Léon Zitrone. Ben non. Sous son costume, il peut pas me prendre pour souffre-douleur permanent. Comment quand je sors, quelquefois, les gens me disent « Alors, vous vous faites assaillir ou vous faites agresser par Martin ?» Monsieur Léon, je suis incapable d'assaillir un des hommes que j'admire le plus dans ma profession. Car vous êtes notre maître à tous. Non, mais je trouve que quelquefois vous êtes méchant avec moi. Moi, non. Méchant? Il le regrette. Hein, Je serai incapable. Vous allez vous confesser chez les prêtres. Je serai incapable de vous faire ce que vous avez fait à Tito. Oh oui. Il est bête, Martin. Il est bête. Mais tu sais bien. Il est bête. Et les bêtes et méchants. Tu sais bien, chouchou, que c'est comme ça que tu m'aimes. Il fait pas de mal à une mouche. Un enfant peut-être, mais une mouche. C'est très difficile d'arracher les ailes à un enfant. De Monsieur Monterrand de Deuil-la-Barre. Si en général aux Jeux Olympiques, l'athlète le plus important est un basketteur, quel est l'athlète le plus frêle? Moi. Eh bien, vous auriez, oui, la morphologie de ce genre. C'est généralement d'endroit. Le gars qui... C'est marathon, le marathon. Mais non, c'est le gars qui fait de la haie. Non. Le jockey? Non. C'est tout petit, un jockey. C'est Sarbalette. Comme vous. Un poloïste? Non. Un joueur de water-polo? Oui, on a compris. Mais... Oui, on avait compris, on n'est pas bête. Hein, on n'est pas complètement nain. Des fois, il a besoin d'un objet pour exercer sa discipline. Oui. Un homme qui met des poils à terre, non? Pardon. Pour qu'il puisse remplir parfaitement son office, il faut qu'il pèse au maximum 50 kilos. Il joue dans un sport d'équipe? C'est un sport d'équipe. C'est lui qui fait le bâton de relais dans le 400 mètres? C'est l'aviron? Oui! C'est le barreur dans les compétitions d'aviron. Très bonne réponse de Jacques Martin et Léon Zitrone. Il n'a rien dit, Léon Zitrone. Il a dit barreur. J'ai dit barreur. Il a opiné du chef, j'ai senti le vent. Vous avez dit aviron, j'ai dit barreur. De Monsieur Dehon de Ramilly-Offus, en Belgique. Qu'il y reste, hein, parce que là, c'est... Pouvez-vous me citer le nom d'un maréchal de France célèbre en 1914? Non. Oh, bah, il y en a plein. Pétain. Il n'y avait pas de maréchaux en 14. Oui. Ça avait été supprimé après la guerre de 70, ça n'a été rétabli qu'en 1916. Excellente réponse de Jacques Martin. C'est bon. J'opine du chef. On pose des questions sur sa jeunesse, alors... J'étais pas même. Petit con. Ah, papa. Si vous pouvez faire les azous et balader avec des machins, c'est parce que nous, on y a fait 14. Petit imbécile, avec vos musiques de zazou et vos tambours. T'es plus dans le coup, pépé. Oui, ben tu vois, c'est plus dans le coup, je pousse mon pied au cul, tu vois. Petit con avec leur moto entre les jambes. Pauvre mec, avec vos cheveux longs. Il faut voir comment ils vivent. Et leurs bonnes femmes habillées comme eux. Il n'y a plus de jupe, il n'y a plus de culottes. Pourri la jeunesse de maintenant. Les Allemands arriveraient, ils seraient pas en deux jours. Moi, j'ai des potes allemands, moi. Oui, mais ça m'étonne pas. Collabo. Regarde-moi ça, ça n'a pas de tenue, ça se lave pas. Ça. Maréchal, nous voilà. Devant toi, le sauveur. Regarde t'as ça. Pas 100 balles, papa? Non, ça, j'aime pas les jeunes, merci. C'est mon pied au cul, tu vois. Où pousse, tes gueules. Non, mais franchement, quoi, on se demande où est la France? Avec des grossesses. Oh, arrête, papa, tu m'énerves. Tout le monde peut pas être comme toi. Mais de mon temps, mon petit bonhomme, je m'excuse. On demandait pas de l'argent à ses parents, on leur en apportait. Je commençais à travailler à 12 ans, moi. Désolé, puis alors en plus, on va voir les copains qui ramènent. Oh, écoute, Paul est très bien, hein. Tu fais ce que tu veux, mais je dis pas protestant à la maison. Oh. Donne-moi 100 balles. Non, je ne peux pas. J'ai chez le coiffeur, arrête. Eh ben, tu auras chez le coiffeur quand tu auras changé ta robe. Oh. Je suis vieux jeu, je crois que c'est amusant. Ah, voilà ta sœur. Ça va, Francis? C'est la seule qui a fait son service militaire. Papa. Quoi, papa? Vas-y, Boubou. De Mademoiselle Guimard de Bègle, dans la Gironde. Quel est le produit que l'on utilise à la fois en charcuterie, en photographie... Ça, c'est une question pour moi, ça. ...en cuisine... La gélatine. Et même pour fabriquer les billets de banque. Excellente réponse de Jacques Martin. Et comment fabrique-t-on la gélatine? Avec Dalida.
Non, le saucisson. Oui. Le saucisson Dalida. Oui, le saucisson Dalida. Ah oui. Tu connais pas sa dernière chanson, Cochonou, Cochonou. Gigi Cochonou, tu es venu saucisson de chez nous. Vous avez fait un papier sur Dalida. Plusieurs. Vous l'avez interviewé en tête à tête. En tête à tête. Si j'ose dire. Oui. Très gentil. Et très gentil. Regarde les. Vous pouvez me citer le. Tu l'auras, ta Légion d'honneur, Léon, si tu continues. Vous pouvez me citer deux, trois chansons de Dalida que vous fredonnez habituellement. Thérèse d'Esquirou. Mais non, mais chantez-nous deux œuvres de Dalida. Non, je ne sais pas chanter, je vous l'ai dit mille fois. Elle avait peur de perdre quoi ? Son petit. It's a bikini. C'est là où Mitterrand a craqué. C'est ce soir-là. Léon, il a la trouille. Mais non, il n'a pas peur de me plaisanter. Vous l'avez interviewé, le président Mitterrand, non, déjà ? Vous le connaissez, non ? Non, je ne l'ai jamais interviewé que ça. Jamais. Mais depuis le 10 mai, vous n'avez pas cherché de vous faufiler, non ? Vous n'avez jamais été à l'Élysée, là, depuis le 10 mai ? Même en passant sous la moquette ? En passant sous la moquette. Vous voulez que je vous introduise ? Moi, je connais très bien. Ça ne m'étonne pas. Ah oui, moi, je suis vachement bien placé. Ah oui. C'est un mot légion d'honneur. Ah oui. Bureau de tabac pour les parents. Ah oui. Ah oui. Vous l'avez sûrement rencontré, vous connaissez tout le monde, Léon. Ça fait 25 ans qu'il est. Ah, pour lui dire bonjour, je veux dire pour vous. Oui, c'est ça. Arrivé. Où c'était ? Sur un plateau de télévision. Non, c'était au bain et douche de la rue d'Amsterdam. Vous avez la même masseuse. Arrêtez, vous me l'avez dit. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Léon Zitrone, Sim, Gérard Jugnot et Jacques Martin sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 juillet 1982 en compagnie de Philippe Bouvard. De Monsieur Quénon de Morterie, cette dernière citation. Quénon de la Morterie, je l'ai très bien connu. T'es pas lieutenant au 11e de cavalerie ? T'es très sympa, je l'ai connu à l'armée, à Quénon de la Morterie. Sa sœur, Isabelle de la Morterie, était absolument charmante aussi. Salope, oui. C'est ce que j'ai dit, c'était charmant. Ce n'est pas du même monde, c'était épouvantable. Hein. Très mélangé, cette émission. Comment ça va, toi, Citro ? Tu vas bien ? Oui. Steve, tu te rappelles de moi, de la Morterie. On était ensemble à Deauville. La Morterie. La Morterie. Attends. Sim. Ouais, pardon, j'étais en train de regarder les calembours, là. C'est trop tard. Si vous voulez vous rendre en Uruguay, il vaut mieux prendre l'avion à Jeun pour monter vide et haut. Un bon conseil pour devenir riche, coupez un lion en deux et vous aurez 2 millions. Mais c'est très bon. C'est l'almanach Vermont. Oui, monsieur. C'est excellent. Qui a dit oui. Les examens permettent de savoir quelque chose pendant quelques jours. Ah, c'est très vrai, ça. C'est un médecin. Et c'est un Français. C'est un Français. C'est un écrivain. Un écrivain. Un écrivain connu, sinon vous ne le citeriez pas. Bien sûr. Continue, a-t-il été de l'Académie française ? Continue, oui. Père, c'est moi qui vais trouver. Est-il encore vivant ? Non. Il est mort. Alfred Capu. Il est mort. C'est un humoriste ? Je ne sais même pas s'il était d'accord. Ça n'était pas un humoriste, mais un homme très intelligent. Il y a combien de temps ? Au XXe siècle. Il est mort presque tout de suite après la dernière guerre. Le Christ. Vers les années 1920. Non, après la dernière guerre. Il écoute vers rien. Les années 1945. Un écrivain romancier de l'Académie française. Oui. Oui, mort vers les années 45-48. Girondeau. Non, Girondeau n'a jamais été de l'Académie. Non, mais il est mort. Duhamel est mort beaucoup plus tard. Oh, je sais pas, Marie. Claude. Gide. Non, Gide n'a jamais été de l'Académie. Oh là là. Ah, je vois pas. Il a écrit des romans, ce mec-là. Oui, des essais, des romans. Ah, des essais. Attends, ouais. Il a essayé, il a pas réussi. Quoi. Et ce mec, il aurait été plutôt catholique sur les bords. Ouais. Moi, je pourrais le connaître. Sans excès. C'est pas Bernanos, non ? Non, il a pas. T'es bien Bernanos ? T'es marrant ? PJ ? Paulette Mouche-Toi de Bernanos, c'est pas sympa. Le journal de la curée de camping aussi, très. Tout de même pas maritain. Non, il n'a pas été de l'Académie non plus. Non. Et pas, personne ne souffle là. C'est un grand silence. J'attaque. Il est connu ? Est-ce qu'il n'a pas eu la diphtérie à 6 ans ? C'est qui ? C'est quelqu'un de ma famille ? Oh non. Non. Oh non, tout de suite là. Il y a des mecs très bien chez moi. Il avait une très jolie langue. Un peu chargée vers la fin. Pierre Deveau ? À cause de la tête de veau ? Non, de la langue. Ah, la langue de veau.
Dites donc, il avait la langue verte, Pierre Devaux. Oui. Dites donc, Bouvard, vous l'admirez, vous, cet écrivain-là? Flaubert. Ah, oui, assez. Oh non, Flaubert est pas mort après la guerre de 14. Arrête. Non, de 40, mais non, mais parce que depuis qu'il a écrit Boulevard... Saint-Exupéry. Pas de l'Académie. Non. Pourquoi vous avez dit qu'il avait la langue chargée? Tous les grands écrivains français sont jamais de l'Académie. J'en pense à quelques-uns que je dirais pas leur nom. Vous pouvez pas nous éclairer? Un homme de théâtre? On a porté au théâtre certaines de ses œuvres, mais elles n'avaient pas été écrites pour le théâtre. Eh ben, je vais te dire, il est enterré sur la Côte d'Azur, dans le cimetière marin. C'est Valérie. Excellente réponse de Jacques Martin, confirmée par Léon Zitrone. Je confirme aussi. Cet océan où paissent les colombes, c'est magnifique. Eh bien, messieurs, bravo. Grâce à vous, on a fait quelques mandats, mais pas plus que... Philippe, on se dépêche parce qu'on ranime la flamme. Là. Ce que les finances de la station nous permettent. 18 ans, puis bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.